Autour de nous, il y a des gens agréables, sympathiques, beaux, attirants. Et souvent, ce sont eux qui nous intéressent. Pourquoi? Eh bien, parce que je me sens à l'aise avec eux, heureux avec eux. Et le pauvre bonhomme, timide, honteux, dans son coin, qui ne parle à personne et auquel personne ne parle, on l'oublie. Ça, c'est notre société. On va vers les gens intéressants. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Jacques nous fait la leçon. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Oui, qu'est-ce que vous faites? Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites: Assieds-toi, et tfaddal, tu es le bienvenu. Et l'autre, on l'oublie. Est-ce que si je m'examine moi-même, est-ce que je ne fais pas ça souvent? Je me tourne vers les gens beaux, intelligents, sympathiques, intéressants, et je laisse de côté les autres. C'est l'opposé de l'Évangile. Un geste qui m'a beaucoup plu chez le pape François lorsqu'il a pris possession de son trône, si on peut dire, c'est de quitter les appartements luxueux du Vatican pour s'installer dans une petite villa, Sainte-Marthe. Un tel geste est prophétique. Ça veut dire que il a voulu marquer par là que l'Église n'est pas, ne doit pas être, ne doit pas continuer d'être l'Église des riches, des puissants. Malheureusement, elle l'est encore. On a beau faire, l'Église retombe dans cette complaisance qu'elle a pour la classe riche. Une amie à moi, qui avait été placée dans une institution de religieuses quand elle était petite, me disait: Maman n'avait pas les moyens de payer, on m'avait admise comme ça par charité. Et les religieuses traitaient les autres filles de façon privilégiée, mais moi j'étais dans mon coin. Que de fois cela se fait dans nos milieux chrétiens. On me reproche quelquefois d'être dur pour l'Église. Oui, je le suis souvent parce que je la veux plus authentique, plus proche de l'Évangile. Mais il faut bien reconnaître que si les pauvres ont une certaine dignité, si la classe misérable a trouvé une certaine place dans l'histoire, c'est un peu grâce à l'Église, c'est beaucoup grâce à l'Église. L'Église, dès le début, a dit, c'est un être humain, il a toute sa dignité d'enfant de Dieu, eh bien je le traite royalement, divinement, exactement comme le Christ s'agenouillant devant ses apôtres.
Et le premier promoteur de la justice sociale et de l'action sociale, ça a été Saint Basile, 4e siècle. Il a fondé des hospices, des hôpitaux, des écoles pour la classe la plus misérable. Et donc, à côté des critiques que nous faisons sur l'Église et qui sont justifiées, il faut reconnaître que si une prise de conscience de la dignité humaine s'est faite dans l'histoire, c'est un peu grâce à l'Église. Et je voudrais, pour terminer, parler d'un saint que nous célébrons ce mois-ci et que j'ai en grande vénération, Saint Vincent de Paul. Vincent de Paul était une famille noble, aisée, riche, proche du roi. Il s'est fait aumônier des galériens. Vous savez ce que c'est qu'un galérien ? C'est quelqu'un qui, dans les soutes d'un navire, dans l'obscurité, la chaleur, l'humidité, doit pendant toute la journée ramer, ramer dans ce qu'on appelle les galères. Non seulement il s'est fait aumônier des galériens, mais il a été capturé par les barbaresques de l'époque, qui l'ont réduit en esclavage et il a dû subir le même sort que ceux dont il s'occupait. Lui, l'homme de la noblesse, le voilà réduit pendant deux années, à ramer. Il y a un chant d'ailleurs qui s'appelle le Galérien. Ça, c'est Vincent de Paul, une figure éminente de la charité. 17e siècle. Ce géant de l'amour n'est pas toujours suivi aujourd'hui par ceux qui se réclament de lui. Mais il reste une lumière qui éclaire le chemin de l'homme. Aujourd'hui, si la société s'intéresse aux prisonniers, aux handicapés, aux malades, aux petits, c'est un peu grâce à cette prise de conscience qui a été à l'origine celle de l'Église à la lumière de l'Évangile. Eh bien, mes chers amis, à nous de continuer à nous tourner vers les plus pauvres, les plus faibles, les plus délaissés, les plus ignorés, et d'être en priorité pour eux et avec eux pour relever leur dignité, car l'homme a davantage besoin de dignité que d'argent. Amen.